Le vendredi 5 juin 2020, au siège de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Côte d'Ivoire, le comité de crise COVID-19 EADCI, face à la crise sanitaire sans précédent du coronavirus, a fait un don important composé de riz, de pâte maman, des bouteilles d'huile, des papiers hygiéniques et bien d'autres d'une valeur de 3 millions de francs CFA aux différents responsables des 5 vieilles églises du Grand Abidjan et aux responsables des ONG. Étaient présents à cette cérémonie les membres du BEN et le comité de crise COVID-19 EADCI. Lors de la cérémonie de remise, le président Honoré Daples a pris le soin d'expliquer aux bénéficiaires la provenance de ces dons reçus. Il faudrait dire que pour nous, c'est une bénédiction de Dieu que de voir que dans nos assemblées, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des couples qui ont à cœur de partager, même de se priver de ce qu'ils ont pour partager avec les autres. Ce que vous venez de voir, c'est un don de 3 millions que nous avons reçu et que nous avons mis à la disposition des ONG de compassion et de quelques veuves et de personnes nécessiteuses que nous avons identifiées dans nos assemblées. Par un geste symbolique, le président a remis les dons aux récipiendaires. Les différents responsables présents n'ont pas manqué de manifester leur reconnaissance. Voilà, et les dons qui ont été faits vont faire tellement de bien par ces moments très difficiles de semi-confinement, c'est vrai. Des personnes qui ont vu leurs activités stoppées par cette pandémie. Je suis absolument convaincue qu'une grande joie va se dégager lorsqu'on remettra ces dons. Merci pour ces dons qu'il vient de recevoir.